On va retrouver Jean-Philippe Viau. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Eh ben, un super moment de détente, de talent, en famille, avec un spectacle particulièrement original qui est signé par des musiciens très talentueux, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, effectivement, il y a à la fois de la fantaisie communicative et une évidente maîtrise musicale dans le spectacle hors norme proposé aujourd'hui. Mathias et Julien Cadez, deux pianistes aux multiples talents, en sont les incroyables créateurs. Leur éclectique et magique folie scénique, disons-le, porte avec panache leur nom de scène, ce sont les Virtuoses. Ils se produisent chaque soir ici au cœur de la capitale, au Théâtre des Nouveautés, et croyez-moi, ils font un tabac. C'est une alchimie entre la musique, la comédie et la magie. Et au cœur de cette histoire, on a deux personnages, deux pianistes qui vont se battre autour d'un piano. Et de ce duel va naître une explosion musicale, une ébullition de notes et de fantaisie sur scène. Retour en enfance, en fait, qu'on propose de vivre avec les spectateurs. Et notamment, avec le travail du clown, on arrive à émettre énormément d'émotions et on est très complémentaires sur scène. Hein, quand l'un est sérieux, l'autre fait rire, et etc. Pendant près d'une heure et demie, la performance des frères Cadez illumine la scène. Si ces virtuoses ont la musique au bout des doigts, ils ont également en eux ces petits plus qui en font de vrais artistes de music-hall, innovants et captivants. On a choisi d'incarner des personnages vraiment très clownesques pour provoquer le rire. Et quand on provoque le rire, on ouvre le cœur des spectateurs. Et donc ce travail de clown, justement, nous permet d'explorer très intensément toutes les musiques. Mais c'est vraiment le rire qui déclenche tout ce voyage musical. C'est un spectacle qui est muet, il n'y a pas une seule parole de prononcée, les virtuoses sont au-delà des mots et leur langage, c'est la musique avant tout. Il y a de la magie, de l'humour, de la musique, de la poésie, du mime, dans l'émotion du spectacle. Acrobatie, poésie et bien sûr musique à gogo sont au rendez-vous de ce clownesque show aux résonances multiples. Extravagants et espiègles, ces habiles virtuoses ont comme personne le sens de la scène. Ils nous en jettent plein les yeux et puis nous embarquent avec malice et humour dans leur bien original univers. Pas étonnant donc que petits et grands y succombent avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très bientôt, c'est promis. Ben ça se passe au Théâtre des Nouveautés. Merci beaucoup, Jean-Philippe.